Bonjour à tous, je m'appelle Lydia Delrieux et je suis chercheuse postdoctorante. Je mène principalement des travaux liés au digital, à l'activité physique et au cancer. Les bénéfices de l'activité physique pour les patients atteints de cancer sont nombreux. L'activité physique permet de lutter contre le déconditionnement physique, la fatigue, améliorer la qualité de vie et également améliorer la survie et lutter contre le risque de récidive. Mais pas d'inquiétude, pas besoin d'être un grand sportif pour tirer des bénéfices, chaque petit pas compte. La santé digitale est un secteur en pleine expansion. On peut citer par exemple l'utilisation de montres connectées pour suivre l'activité physique des patients. Notamment, nous avons plusieurs projets de recherche où nous demandons aux patients de suivre leur nombre de pas par jour avec des objectifs personnalisés, mais également réaliser une distance à parcourir par jour ou bien réaliser des séances qui seront automatiquement détectées par les montres connectées. Ces montres connectées nous permettent vraiment de lutter contre les inégalités territoriales d'accès à la pratique d'activité physique, puisque peu importe où se situent les patientes, elles peuvent tout de même faire de l'activité physique et être suivies à distance par un professionnel. Nous avons mené plusieurs projets de recherche qui utilisent des dispositifs connectés pour les patients atteints de cancer au Centre Léon Bérard. Les premiers retours que nous avons montrent que les patients sont d'une part intéressés pour suivre ce type de programme, mais également très observants. Ils arrivent à utiliser les dispositifs connectés pour introduire l'activité physique dans leur quotidien, pour arriver à plus bouger, atteindre leurs objectifs personnalisés en termes de nombre de pas ou de distance à parcourir. À l'heure actuelle, nous n'avons pas encore de résultats de cette étude de recherche innovante. En revanche, nous espérons pouvoir démontrer que grâce à des dispositifs connectés, les patients arrivent à intégrer l'activité physique dans leur quotidien, même s'ils ne peuvent pas se déplacer dans les centres de pratique pour faire de l'activité physique adaptée. Nous espérons aussi démontrer des bénéfices qui seront plus larges, notamment sur les bénéfices sur la survie, sur la qualité de vie des patients.